Salut à tous, cette semaine sort le film événement de cet été, le nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise. Et je me suis dit que pour l'occasion, on allait parler de Tom Cruise justement. Et ben voilà, c'est parti, générique. Tom Cruise est né en 1962 aux États-Unis. Dès son adolescence, il est très sportif. Mais il va tout de même choisir la carrière d'acteur. Et à 18 ans, il va partir s'installer à New York pour passer les castings. Et c'est un grand réalisateur qui va le repérer, Francis Ford Coppola. Il le choisit pour son film Outsider. Mais ce n'est pas vraiment avec ce film qu'il va se faire connaître du grand public. C'est avec un autre film qui s'appelle Top Gun en 1986, où il joue le rôle d'un pilote d'avion. Et grâce à ce film qui fut un succès, il va enchaîner d'autres films très connus comme La couleur de l'argent, Entretien avec un vampire, Red Man ou Né un 4 juillet. Côté vie personnelle, il rencontre l'actrice Mimi Rogers qui va l'introduire dans l'église de la Scientologie. L'église de la Scientologie, c'est une religion qui est pas très réputée pour être catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Malgré tout, cette relation ne durera pas très longtemps. Il a eu d'autres relations, notamment avec deux autres actrices, Nicole Kidman et Katie Holmes, mais à chaque fois ça a pas très bien fini. Et les deux actrices lui ont reproché la même chose, à savoir son implication dans l'église de la Scientologie. Mais cela ne l'empêche pas de continuer les succès. Surtout avec la saga Mission Impossible, dont le premier épisode est sorti en 1996 et dont il est aussi le producteur. Et dans cette saga, il fait aussi les cascades lui-même. D'ailleurs, il s'est fait quelques blessures, notamment sur le dernier épisode qui sort cette semaine, comme par exemple dans cette scène où il devait sauter entre deux immeubles et où il s'est cassé la cheville. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce grand acteur hollywoodien qui enchaîne les succès et les blockbusters, et qui sera d'ailleurs à l'affiche de la suite du film qu'il a fait connaître, la suite de Top Gun donc. Je vous laisse me dire en commentaire quel est votre film avec Tom Cruise préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, mangez des frites, ciao !